Assalamu alaikum. Si vous pensez, comme beaucoup, que les Émirats Arabes Unis sont seulement un pays de désert de sable, de bédouins et de puits de pétrole, ce petit film devrait vous faire changer d'avis. Les Émirats Arabes Unis sont le fruit de l'union de 7 Émirats du Golfe Persique depuis 1971. Ils détiennent 7% des rêves mondiales de pétrole prouvés, répartis pour 94% à Abu Dhabi, 4% à Dubaï et 2% à Sharjah, les trois Émirats que nous allons visiter. Nous visiterons en premier Abu Dhabi, puis Dubaï et Sharjah plus au nord. Nous entrerons à Abu Dhabi par Al Ain à l'est, puisque nous venons d'Oman. Oman dont nous garderons un excellent souvenir, tant pour ses paysages que pour son développement maîtrisé, alliant modernisme et respect des traditions sous la houlette du sultan Qaboos qui dirige la nation depuis 1970. D'Oman, nous gardons le souvenir des Kanjars, symbole du pays, avec l'arbre à encens, ou le Boswellia sacra, le rare encens Rojari ou argent qui sert à parfumer, les déserts de sable comme celui de Guaïba, les dromadaires parcourant inlassablement les déserts, la beauté des wadis qui offrent de spectaculaires gorges où s'écoulent des eaux calmes près desquelles il fait bon rêver ou se reposer. Les eaux canalisées par les astucieux systèmes de fallage servant à irriguer les palmeraies au pied des montagnes, les anciens villages abandonnés, toujours surveillés par les tours de guet ou protégés par les forts comme celui de Bala, les souks, que ce soit celui de Nisswa avec ses poteries, ou celui de Moutra, où l'on trouve de tout. La corniche de Moutra, à la tombée de la nuit, aux portes de Mascate, et la superbe mosquée du sultan Qaboos à Mascate. Mais le plus beau souvenir est peut-être dans le regard de ses habitants, les Omanais. Peuple qui donne une impression de grande tranquillité. C'est cette montagne, le mont Afid, qui marque la frontière entre Oman et l'émirat d'Abu Dhabi. Membre le plus éminent de la fédération, Abu Dhabi en est aussi le plus dynamique. Signe que nous sommes bien aux Émirats, la tenue des hommes a changé. Son dynamisme, Abu Dhabi le doit à la famille Al Nahyan et en particulier au cheikh Zayed au centre, décédé en 2004 et auquel a succédé son fils Khalifa. C'est sous une tempête de sable que nous commençons notre visite du pays à Al Ain, accompagné par notre guide le Tunisien Mohamed. En premier lieu, il nous emmène visiter le fort de Jaili. Ce fort a été transformé en musée à la mémoire de l'écrivain britannique Wilfrid Thesiger. L'auteur du Désert des déserts avait pris le nom de Moubarak bin Lyndon et avait épousé la vie des Bédouins pendant plus de 40 ans. Le fort à l'époque de Thesiger à la fin des années 40. À cette époque, Thesiger était un ami personnel du cheikh Zayed. Et comme lui, il pratiquait la fauconnerie, emblème des Al Nahyan. Accompagné de ses deux guides bédouins, il a sillonné pendant de longues années les déserts du golfe Persique, accompagné les caravanes de bédouins et laissé de très belles pages dont nous pouvons lire quelques extraits. À cette époque, Abu Dhabi était un village auquel on accédait par un guet au pied de cette tour que nous verrons plus loin et où on pratiquait la pêche des perles, mais aussi du poisson. Le fort a été superbement restauré, mettant en valeur ses éléments défensifs dans cette tour ronde. Deuxième temps fort de notre visite, le palais d'Al Ain, qui était la résidence de la famille Al Nahyan et où le cheikh Zayed a passé son enfance avant de partir plus tard pour s'installer à Abu Dhabi. Le cheikh Zayed est considéré comme le père de la nation et a été le premier président des Émirats Arabes Unis en 1971.
Dans les jardins, on peut trouver diverses essences comme le frangipanier, dont on voit ici la fleur, des lauriers jaunes ou encore un yucca. Le majlis du Cher, où les hommes avaient l'habitude de se réunir pour discuter et prendre le thé, il était d'usage que le plus jeune enfant masculin serve le thé à l'ensemble de la communauté. Le majlis de la mère du Cher. Un bel exemple de moucharabier. L'arbre généalogique de la famille Al-Nayan qui remonte au XVIIIe siècle et qui se termine donc avec les cheikhs Zayed et Khalifa, le cheikh actuel. Avec le signe d'allégeance du fils au père. La visite suivante nous mène à une oasis tout près du palais. Il s'agit d'une oasis de palmiers dattiers où l'on peut voir le système d'irrigation de la palmeraie avec les circuits d'eau et les dérivations qui permettent d'irriguer les différentes parties de la palmeraie. On nous explique ensuite le principe de fécondation artificielle des palmiers en prélevant des graines mâles sur certains palmiers dattiers. Le but est d'augmenter la production des palmiers. Un palmier dattier peut ainsi produire jusqu'à 300 kg de dattes. Il faut bien sûr grimper dans le palmier pour faire la pollinisation à la main. On a ici un exemple de fleurs femelles de palmier et ici des fleurs mâles. La visite suivante nous conduit au souk d'Alaïn, au centre d'Alaïn, où l'on peut voir de vieux bédouins, omanais ou émiratis, venir vendre leurs produits sur le marché, en particulier les fleurs mâles de palmiers dattiers, comme on les a vues précédemment. Ou viennent également vendre leurs fruits et légumes, comme cette femme bédouine avec son masque, et donc également d'autres étalages, les noix de jujube et le marché aux poissons, même si nous sommes à 150 km de la mer. La visite suivante nous conduit au marché des dromadaires. Même si c'est pas un lieu spectaculaire, c'est quand même une visite à ne pas manquer. On peut y voir des dromadaires de tout âge, donc des adultes, également des plus jeunes. Celui-ci n'a que quelques jours. On voit également des femelles dromadaires avec des protections sur les mamelles pour le sevrage des petits. Pour les transactions, les acheteurs arrivent avec leur gros 4x4, font leur choix et les transactions se font de la main à la main. Le prix des dromadaires peut varier de quelques milliers d'euros jusqu'à une 20 ou 30 000 euros. On trouve aussi sur le marché un marché de chèvres. Ici des travailleurs expatriés en attente de travail. Il faut savoir que les Émirats utilisent énormément de travailleurs étrangers, 80% de la population, qui viennent soit d'Inde ou ici, par exemple, du Pakistan. Enfin, notre dernière visite à Al-Aïn est pour le fort Al-Mouwaiji, qui a été une résidence de jeunesse du cheikh Zayed. Avec ici à l'entrée une petite mosquée. Le fort est aujourd'hui un musée dédié à la famille Al-Nayan et donc en particulier au cheikh Zayed et son fils Khalifa, le cheikh actuel d'Abu Dhabi et président des Émirats Arabes Unis. Nous allons quitter Al-Aïn et franchir les 160 km de désert pour nous rendre à Abu Dhabi. Al-Aïn est une ville verte ou ville jardin pour les Émiratis, comme en témoignent ces cultures de maraîchers à la sortie de la ville. Mais bientôt, c'est le désert qui nous accompagne jusqu'à Abu Dhabi.
Abu Dhabi est l'émirat le plus grand et le plus riche des Émirats arabes unis. Avec la découverte du pétrole dans les années 60, Abu Dhabi s'est mué d'une localité poussiéreuse en une mégalopole prospère. La ville est principalement construite sur des îles et nous commençons par l'île de Yas. Sur cette île, on y trouve des centres d'amusement, mais également des résidences de très haut standing. On y trouve également l'hôtel Yas, qui est le QG des pilotes de Formule 1, puisque le circuit de Formule 1 est à ses pieds, ainsi que le centre Ferrari. En allant vers le centre-ville, on passe au pied de la tour du promoteur de l'île de Yas. Le pont Al Maktah en forme de vague qui permet de passer sur l'île d'Abu Dhabi, au pied duquel on peut encore voir la tour du quai qu'empruntait Wilfried Thesiger dans les années 48. Nous arrivons dans le quartier de notre hôtel, dans lequel on peut voir cette étrange tour penchée. En soirée, nous décidons d'aller à l'hôtel Emirates, un des plus grands palaces d'Abu Dhabi, avec ses lumières et ses fontaines, également ses différents salons, où nous décidons de prendre un digestif sous la coupole de l'hôtel. Le lendemain, nous commençons par visiter la grande mosquée du Cheikh Zayed. Achevée en 2007, d'une blancheur immaculée, cette mosquée massive, dont la silhouette majestueuse domine les quartiers orientaux de la ville, est couronnée de 80 dômes de toute taille. On y accède par un tunnel et les visiteurs doivent porter une tenue jugée correcte. Il s'agit d'une mosquée-musée et bien qu'elle puisse accueillir 40 000 fidèles et compte parmi les plus grandes du monde, elle n'a jamais servi pour l'office religieux. Avec la mosquée Jumeirah de Dubaï, elle est la seule des Émirats à accepter les non-musulmans. À l'intérieur, les visiteurs sont accueillis par cette majestueuse esplanade d'où l'on peut observer les différents dômes. On se rend ensuite vers les salles de prière en empruntant ces superbes couloirs aux colonnes géminées surmontées de palmiers dorés et ornées de très belles céramiques. On se dirige en premier vers la salle de prière des femmes, espace dominé de superbes lustres. La salle de prière. Cette rosace indique les heures de prière avant de se rendre dans la grande salle de prière pour les hommes. La salle, d'une capacité de 15 000 fidèles, est dominée par trois immenses lustres. Ce site est sans conteste l'un des plus remarquables de la capitale Abu Dhabi. En se dirigeant vers la sortie, nous passons vers le coin des ablutions et nous croisons un groupe d'écoliers. De retour vers le centre-ville, nous passons près des tours Ananas, qui sont au nombre de deux, ainsi appelées à cause de leur forme typique. Le skyline du centre-ville. Nous visitons ensuite un marché de dattes, qui sont du reste excellentes. On dénombre au moins 150 variétés de dattes dans les Émirats.
Nous arrivons ensuite au quai Al-Batten, qui sert de port de pêche et où de nombreux boutres sont amarrés au pied des buildings du centre-ville. C'est aussi un centre de construction navale. Les boutres sont des bateaux de construction traditionnelle en bois avec une voile trapézoïde qu'on appelle la voile arabe et que l'on trouve couramment dans l'océan Indien, de la mer Rouge jusqu'au golfe Persique. Nous nous dirigeons ensuite vers le centre-ville en passant par le square Al-Ittihad. On peut y voir ces sculptures dont le brûleur d'encens à l'arrière-plan et une théière au premier plan, symbole de l'hospitalité dans les pays du Golfe. Nous prenons le déjeuner à l'hôtel Millennium et reprenons notre visite en passant par des parcs. Abu Dhabi est une ville très verte. Nous arrivons à la marina devant le futur hôtel Fairmont, d'où nous avons de très belles vues sur le centre-ville et ses nombreux gratte-ciels. Ici, ceux du quartier Al-Hosn, la Tour des Nations, et ceux de l'extrémité sud de la corniche, près de l'hôtel Emirates Palace. Avec ici la tour Adenosk, siège de la compagnie pétrolière nationale. Au bout de la jetée de la marina, le Heritage Village ou Éco-musée fait renaître la vie d'Abu Dhabi avant que les revenus pétroliers aient changé à jamais sa face. On y voit le système d'irrigation des palmeraies, appelé Al-Yazra, similaire au système de fallage utilisé à Oman. On peut aussi visiter un petit musée situé dans une maison fortifiée qui témoigne de la vie des bédouins dans le désert avec des objets comme ces cafetières et théières et également les tenues des bédouins, donc avec la tijlacha pour les hommes et la abaya pour les femmes ainsi que les masques des femmes bédouines. À côté, une présentation des bateaux, des boutres pour la pêche ou le commerce. On peut aussi y acheter des tenues locales traditionnelles. Toujours pour retracer la vie des bédouins, on peut également y voir des dromadaires. Ainsi que des anciennes habitations bédouines. Comme ici la tente d'hiver, construite en toile de jute, ou les habitations utilisées dans les oasis, plus en dur, avec donc des feuilles de palmier et du bois de palmier. Ou des habitations utilisées dans le désert, avec de la laine de chèvre ou de la laine de mouton. Qui semble, ma foi, idéal pour faire une bonne sieste. Du village, on peut découvrir de splendides vues sur la corniche et ses buildings. Ici, l'hôtel Emirates Palace qui possède 1 km de plage. Et à l'écart, la Maison Blanche, la résidence du cheikh Khalifa avec les yachts de la famille Al-Nayan. La tour de la presse, en forme de journal, et une autre tour avant d'arriver au quartier commercial de Qasr Al-Hosn. On remarquera les panneaux solaires sur le toit des tours. La loi impose en effet aux constructeurs que les tours soient à 20% autonomes en énergie. Le fort Al-Hosn marque le cœur de la ville d'Abu Dhabi puisqu'il marque le kilomètre zéro des routes du pays. Également appelé Fort Blanc, c'est un des emblèmes historiques d'Abu Dhabi et un ancien palais du Cher. Il est aujourd'hui transformé en musée. À l'entrée, ce fauconnier nous présente le faucon, symbole de la famille Al-Nayan.
la construction de ce vaste édifice blanc remonte aux environs de 1760. Sa muraille extérieure et ses tours datent d'une époque plus récente. Sur cette maquette, on voit l'ancien fort et l'enceinte extérieure qui servait de siège au gouvernement. Une photo du fort à l'époque de Teziger dans les années 40. Destiné à protéger l'approvisionnement de la ville en eau douce, c'est alors le seul ouvrage remarquable de la côte entre Dubaï et Doha au Qatar. Jusqu'en 1966, année où le cheikh Zayed emménage dans un nouveau palais, il sert aussi de résidence au souverain et de siège au gouvernement. À cet endroit se tenait le majlis du cheikh Zayed le premier, l'arrière-grand-père du cheikh actuel. Ce majlis était situé ici et donc hors les murs. Le musée retrace l'histoire d'Abu Dhabi et en particulier la fin d'une époque, c'est-à-dire la fin de la pêche des perles qui était une importante source de revenus jusque dans les années 1920. Une autre époque démarre avec le cheikh Chabout et la découverte du pétrole dans le golfe. On le voit sur cette photo avec un kanja lui ayant appartenu. L'histoire d'Abu Dhabi prend ensuite l'allure moderne que l'on connaît aujourd'hui avec le cheikh Zayed le second au centre qui devient le premier président des Émirats Arabes Unis en 1971. C'est alors que l'on construit l'enceinte extérieure pour installer une partie du gouvernement ainsi que des appartements pour recevoir les hôtes étrangers. Quittons le fort ou palais Al-Hosn et on nous propose de refaire le tour de ville en nocturne pour profiter des lumières du skyline. Avec ici les buildings du quartier Al-Hosn, le long de la corniche le quartier de l'hôtel Emirates Palace, que l'on voit à droite, la Maison Blanche, donc le palais du cheikh Khalifa. Et puis la grande mosquée du cheikh Zayed qui se reflète dans un bassin d'eau situé en avant de la mosquée. Notre guide nous emmène ensuite à un souk du centre-ville, un centre assez luxueux où l'on peut venir donc en voiture mais aussi en bateau et qui nous permet d'avoir de très jolies vues également sur les dômes de la mosquée ainsi que sur le pont Al-Makta. La matinée de notre troisième jour de visite à Abu Dhabi, nous nous rendons à l'île de Saliyat, ou île du bonheur, où nous découvrirons l'autre site remarquable de la ville, le musée du Louvre d'Abu Dhabi. Cet édifice d'architecture très moderne est signé Jean Nouvel et a été inauguré en novembre 2017 en présence du président Macron. Le musée du Louvre d'Abu Dhabi se définit comme un musée universel, ouvert sur le monde et présentant des œuvres de toutes les époques et de toutes les cultures. Ainsi, dans le hall principal, se dresse un arbre, tel un arbre de la connaissance, qui va rejoindre la coupole ajourée. Celle-ci diffuse la lumière pour en apporter de l'ombre et réduire la consommation énergétique. La coupole de 180 mètres de diamètre coiffe les deux tiers du musée. Sa structure rappelle celle des moucharabiais. Au-dessous, la mer vient embrasser des bâtiments aux proportions harmonieuses. Partant d'une feuille blanche, la collection du Louvre à Abu Dhabi se constitue progressivement, incluant des œuvres anciennes et contemporaines, provenant de différents pays et permettant la comparaison des cultures et des styles. Par exemple, on peut y voir cette monumentale statue à deux têtes provenant du Jourdain et datant de 6500 ans avant Jésus-Christ. On peut ainsi y voir des œuvres ayant traversé les âges et témoins des civilisations sumériennes, égyptiennes, grecques, chinoises ou encore plus récemment islamiques,
avec ce lion datant de 1000 à 1200 ans. On peut aussi y voir des œuvres des grands peintres comme ce Bonaparte de David ou des sculptures comme celle de Weiwei, la fontaine des Lumières. Je vous laisse à nouveau admirer la structure de la coupole du musée, véritable œuvre d'art moderne en soi, formée de 8 couches et composée uniquement d'assemblages de triangles et de carrés, dans lesquels se joue la lumière du soleil. La cité-musée du Louvre d'Abu Dhabi s'étend sur près de 64 000 m², dont 2 000 pour les collections temporaires. Comme, lors de notre passage, une exposition des peintres hollandais, Rembrandt, dont on a vu l'autoportrait, ou le portrait d'Anthony Coppal, Ferdinand Boll, avec l'ange apparaissant à Élie, et Johann Vermeer avec sa dentelière. Le temps est maintenant venu de laisser le musée à ses autres visiteurs et de quitter l'île du Bonheur, qui accueillera bientôt d'autres musées, dont celui de la Fondation Guggenheim. Nous quittons également la ville d'Abu Dhabi, en passant par une région marécageuse, qui nous rappelle que la ville est construite sur des îles. D'Abu Dhabi, ville qui cultive avec sérieux son image de capitale culturelle et administrative, nous allons 160 km plus au nord, à Dubaï, la ville aux 500 gratte-ciel, qui apparaît plus clinquante et mégalomane, ce qui lui vaut le surnom de Manhattan de l'Arabie, à l'instar de son île artificielle, la Palmeraie, ou de ses tours futuristes et gigantesques. Nous entrons à Dubaï par la Free Zone, où siègent 4500 entreprises. Ici, le métro et la tour Golf à l'arrière-plan. L'émirat de Dubaï fait montre d'une véritable frénésie de construction moderne en tout genre, immeubles de bureaux ou d'appartements aux loyers exorbitants. Mais attention, la moitié des tours sont vides et l'émirat dépense plus que lui rapporte le pétrole. Le résultat est pourtant saisissant avec ces superbes tours construites autour de la marina en centre-ville. Nul doute que le point de vue qu'offrent ces appartements doit être des plus agréables. Admirez cette tour torsadée. On peut faire la différence entre les immeubles à bureaux et les immeubles d'appartements en repérant ceux qui ont des balcons. Ceux qui connaissent New York reconnaîtront la tour Chrysler, mais ici, elles sont au nombre de 2. La Burj Al Arab ou la voile, symbole de Dubaï. Dubaï cherche à séduire et amuser le client fortuné. C'est le cas du célèbre quartier La Palmeraie avec ses 16 branches et ses 1500 maisons à 5 millions d'euros chacune, ses appartements luxueux et tout au bout l'hôtel Atlantis où on paie la chambre entre 500 et 600 euros la nuit. Au retour de La Palmeraie, nous nous arrêtons au souk de Jumeirah, également appelé le souk de la Petite Venise. Charmant souk avec ses tours avant, aussi appelées barjils, que sont ces structures aérées qui permettaient de créer un courant d'air pour ventiler les appartements ou les pièces situées en contrebas. Deux omanais en costume traditionnel, venus faire leurs courses dans le souk, où l'on peut trouver différents articles comme ses pantoufles, des sacs à main ou encore des parfums. On y trouve également une grande variété de narguilé ou chicha, sorte de pipao d'origine persane utilisée pour fumer le tabac. Du souk de Jumeirah, on a également une belle vue sur la tour ou Burj Al Arab. La Burj Al Arab, ou tour des Arabes, est un édifice impressionnant de 351 mètres de haut qui abrite un hôtel de grand luxe. Nous nous rendons ensuite à notre hôtel en contemplant un panorama de véhicules préférés des Émiratis, en général des 4x4 de grosse cylindrée. Notre hôtel est situé juste à côté du centre commercial Mall of the Emirates.
C'est un centre commercial gigantesque qui concentre plus de 800 boutiques de luxe, des cinémas, des piscines, un parc d'attractions, ainsi que le Ski Dubai, la piste de ski de 200 mètres de long. On y croise des Émiratis bien sûr, mais également des gens d'origine très diverses, indiennes, pakistanaises, pays du Golfe, égyptiens, puisque 80% des gens habitant dans les Émirats sont des expatriés. C'est le cas de notre guide du lendemain, Marion, qui est d'origine avignonnaise et qui va nous accompagner à l'Émirat de Sharjah. Nous quittons donc Dubaï et ses buildings en passant devant ce building surmonté d'une balle de golf pour nous rendre 30 km plus au nord à Sharjah. Sharjah est un petit émirat qui sert de cité dortoir à Dubaï car les loyers sont beaucoup moins chers. Le centre-ville, moins trépidant que celui de Dubaï, est marqué par ce monument surmonté d'une perle pour rappeler les origines de la pêche perlière qui faisait la richesse de la région jusqu'au début du XXe siècle. Sharjah est un des émirats les plus conservateurs des EAI et à ce titre possède un très beau musée des civilisations islamiques. Ce musée occupe l'ancien souk Al-Majara, un marché magnifiquement restauré, surmonté d'un dôme doré. Au rez-de-chaussée, on peut découvrir la contribution des scientifiques, des peintres et des architectes musulmans à la culture mondiale des 5 derniers siècles, ainsi que la pratique coranique ou l'illustration des 5 piliers de l'islam. À l'étage, on trouve une cafétéria surmontée du dôme de l'édifice sur lequel a été peint une représentation des signes du zodiaque. Nous quittons le musée des civilisations islamiques et son dôme doré, en passant devant ce site en fleurs. Nous nous dirigeons vers la charmante corniche de Sharjah avec sa mosquée, face au port commercial avec ses lourdes boutres chargées ainsi que cette boutre en bois de construction artisanale. Nous arrivons ensuite au centre-ville de Sharjah avec ses tours d'habitation beaucoup plus épurées et bien moins hautes qu'à Dubaï. Face à ces tours se situe le souk bleu ou souk Al-Markasi, bâtiment emblématique de la ville. Il sert de marché central et est appelé souk bleu en raison des céramiques qui ornent ses façades. À l'intérieur, plus de 600 boutiques sont réparties sur 2 étages. Même les toitures arrondies sont recouvertes de céramique bleue et le bâtiment reste bien dans le style des Émirats avec ses tours avant. Sharjah recèle encore de superbes édifices anciens ainsi que des galeries d'art et des musées qui comptent parmi les plus passionnants du pays, mais pour l'heure, il est temps pour nous de retourner à Dubaï. La limite entre les deux Émirats est marquée par ce bras de mer. L'arrivée sur Dubaï est marquée par quelques grands hôtels comme le Grand Hyatt ou The Raffles, ou encore cet bâtiment étrange appelé le cadre. Mais c'est avec un autre bâtiment emblématique de Dubaï que nous avons rendez-vous. Il s'agit de la Burj Khalifa, la tour Khalifa la plus haute du monde avec ses 828 mètres de haut. Nous allons monter au 125e étage. La construction de la tour s'inspire d'une fleur du désert appelée lys blanc ou Hyménocallis et provient de la volonté ambitieuse du cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum.
actuelle chaire de Dubaï. La tour se dresse telle une fusée prête au décollage. Inutile de dire que de là-haut, on a une vue panoramique et imprenable sur les différents quartiers de la ville de Dubaï. Le Dubai Financial Center, avec toujours de nouvelles tours en construction. Ici, on voit bien pourquoi on la surnomme la ville aux 500 tours. La Palmeraie se situe tout au fond, en face de nouvelles îles artificielles prévues pour la construction. Vu d'en bas, il faut quand même reconnaître la beauté esthétique de cette tour, même si elle tente à écraser les bâtiments aux alentours, comme le Downtown Hotel qui fut l'objet d'un spectaculaire incendie en 2016. À leurs pieds se trouve la Dubai Fountain qui fait l'objet chaque jour, autour de midi à différentes heures, ainsi que le soir, de spectaculaires spectacles de jets d'eau sur des musiques orientales. Également au pied de la Burj Khalifa s'étend le Dubai Mile, un monumental complexe commercial de 108 hectares renfermant 1200 boutiques réparties sur 4 niveaux, ce qui en fait le centre commercial le plus grand du monde. Il abrite le Dubai Aquarium qui possède la plus grande baie vitrée au monde derrière laquelle s'ébattent plus de 33 000 poissons dont des requins taureaux, des raies et des bancs entiers de petits poissons tropicaux. Pour le plus grand plaisir des enfants. Et comme si la tour n'était pas assez haute, elle semble vouloir s'étirer vers le ciel au soir couchant. Nous allons ensuite dans le quartier du Vieux Dubaï. Quartier le plus ancien de la ville, Burj Dubaï s'étend sur la rive gauche de la Dubai Creek et renferme certains des sites historiques les plus captivants de l'émirat. On y voit entre autres de beaux exemples de Burj Al, c'est les tours avant, et l'ingénieux système importé par les marchands perses. Nous visitons l'intérieur d'une maison traditionnelle dans laquelle se trouve une exposition et une artiste qui fait des peintures sur céramique. Le minaret de la mosquée domine le quartier de Bastakia, ou quartier historique, secteur composé d'un labyrinthe de vonelles flanqué de hautes maisons en calcaire et en pierre de corail, et dominé par les Burj Al. Nous quittons le quartier historique pour nous rendre au musée de Dubaï, situé dans le fort de Al-Fahidi, le vieil édifice de la ville. Érigé à partir de 1787, l'ouvrage permettait aux habitants de se protéger des envahisseurs grâce à ses trois grosses tours et ses épaisses murailles. Dans la cour intérieure, on peut voir une collection de petites embarcations utilisées pour la pêche aux poissons ou à la perle, appelée bagara. Également dans la cour intérieure, on peut voir des reconstitutions d'habitations primitives utilisées par les habitants du golfe avec quelques objets de mobilier de la vie courante. Dont ce coffre de voyage. La majeure partie des collections du musée est exposée dans des galeries souterraines aménagées sous le fort. On y voit en particulier des évocations fidèles de plusieurs aspects de la vie traditionnelle des Émirats avant le boom pétrolier.
On y voit en particulier l'ambiance dans les souks, des rues dans les souks, l'épicier, la marchande de tissus, le bijoutier, l'école coranique, l'éducation des jeunes filles, une rue dans le souk, le chamel, le chamelier, le marchand de dattes, ou encore le système de falage appelé Yasra aux Émirats, donc système de irrigation des palmiers. Ici on voit les marchands de poissons et ici donc les pêcheurs. La visite se termine avec une représentation en hologramme des tombes Atta, une région du sud-est de Dubaï. Pour aller de l'autre côté de la Dubai Creek et rejoindre le vieux souk de Teira, nous allons emprunter ces embarcations en bois que l'on appelle Abra. Ces petites embarcations peuvent contenir une vingtaine de personnes. C'est le moyen le plus économique et le plus rapide pour traverser la rivière. La promenade offre de belles vues sur les habitations anciennes ou sur les buildings modernes. Oui, je vous confirme bien que la photo est dans le bon sens. Comme ces embarcations sont assez nombreuses, les conducteurs se livrent une guerre sans merci pour se frayer un passage ou trouver une place à l'embarcadère. Nous débarquons au vieux souk de Teira, où l'on peut trouver des robes d'intérieur très colorées, ainsi que des sacs à main. Historiquement, le souk de Teira était le souk au textile. Mais aujourd'hui, on peut y trouver différents objets, comme des objets en céramique, également divers cristaux, épices. Ici en jaune, c'est du soufre. Et bien sûr, on peut acheter tout autre type d'objet. Dans Teira, Al-Arsa était un souk à partir du 19e siècle où les bédouins venaient vendre leurs produits. Nous nous dirigeons maintenant vers le souk de l'or tout près, en passant dans le quartier où on vend le safran venu d'Iran. Le souk de l'or est un endroit à ne pas manquer. Les petites boutiques s'y comptent par centaines et elles offrent au regard leurs vitrines ruisselantes de bijoux en or à l'ornementation très chargée conformément au style arabe ou plus sobre dans le goût européen. Le métal jaune qui compte ici parmi les moins chers du monde attire une clientèle venue d'Afrique occidentale, de Russie, d'Inde ou d'ailleurs. La qualité du travail n'étant pas prise en compte, les pièces sont en général vendues au poids, ce qui n'empêche pas de marchander. On peut littéralement couvrir d'or sa bien-aimée, comme en témoignent ses parures. Quantité de magasins proposent également de l'argent et des pierres précieuses. On peut y trouver des objets en or extravagants, comme ce sac à main, qui doit faire l'équivalent d'un lingot d'or. Alors que nous retournons vers le centre-ville et que notre voyage aux Émirats tire à sa fin, que faut-il penser de tout cela? Mirage, miroir aux alouettes, ou pari réussi sur le futur, l'avenir nous le dira. Toujours
Toujours est-il que c'est sur cette vue du Messie du futur, toujours en construction, et de ces quelques images de la tour Khalifa que se termine notre voyage.